Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des correspondants. Cette semaine, nous nous rendrons au Cameroun, au Tchad, au Burkina Faso. Il sera question de politique, d'économie et de technologie. Mais avant, direction le Congo-Brazzaville. Jeudi dernier, nos envoyés spéciaux sur place, Harley Debo en DB et Derrick Abba, nous confirmaient une information reçue à Paris. L'autopsie réalisée à la suite du décès inattendu de Guy Brice-Parfait Kolela a conclu à une insuffisance cardio-respiratoire compatible avec la Covid-19. L'opposant, vous vous en souvenez sans doute, est décédé en arrivant sur le sol français dimanche dernier. Il était à bord d'un avion sanitaire. Il était âgé de 61 ans. Voici les réactions des citoyens de la capitale, dont celle de son porte-parole. Ce que je peux dire, c'est d'inviter le peuple congolais, les militants et sympathisants de l'UDHUKI, que ce monsieur était un monsieur respectueux. Il faut le pleurer, le rendre hommage dans la discipline, dans le respect des lois et règlements de la République, mais beaucoup plus en se référant à nos us et coutumes africains que nous sommes. Chez nous, les Africains, on enterre l'humain dans la dignité. C'est une grande perte pour le parti et même pour le peuple congolais, parce que c'était l'espoir du Congo. Avec le projet de société qu'il a élaboré, que nous avons exposé partout, et on était sûr qu'on allait gagner ces élections peut-être dès le premier tour. Monsieur Kolela était malade il y a très longtemps. Il faut qu'on l'accepte. C'est ça le défaut des Congolais. Accepter qu'il était malade il y a très longtemps. Étant donné qu'il a battu campagne, il a sillonné le pays. Donc il était fatigué. Parce qu'il avait, il présentait des signes de fatigue partout les passés. Donc, la mort ne doit pas nous surprendre. Propos recueillis par Harley Debo en DB et Derrick Abba, nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville. Politique toujours avec la campagne présidentielle qui se déroule au Tchad. Une campagne marquée par une polémique, une de plus. Elle concerne la rencontre entre Idriss Déby, le président tchadien, et l'un de ses opposants, Succès Masra. Rencontre vécue par certains comme une trahison au Tchad. C'est l'un des deux sujets d'actualité dont nous a parlé cette semaine notre correspondant sur place, Théophile Kadnouba. La rencontre entre le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, et le président national des transformateurs, Dr. Succès Masra, continue à animer les débats dans le milieu politique en N'Djamena, la capitale tchadienne. Pour certaines personnes farouchement opposées au président Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession, le président national du parti Les Transformateurs a commis le tort de rencontrer le chef de l'État. D'autres estiment que Succès Masra aurait répondu à l'appel du président Idriss Déby Itno en échange de l'argent, voire du poste de vice-président. Des réactions qui ont amené le président des transformateurs à exprimer son ras-le-bol. On ne dialogue avec celui avec lequel on n'est pas d'accord, sinon c'est un monologue. Nous sommes allés donc dire à M. Déby que le moment de l'alternance est arrivé. Nous avons en commun le Tchad. Et le moment pour nous est arrivé de faire un saut vers l'avenir. Cette sortie du président national des transformateurs, Dr. Masra Succès, a amené bon nombre de Tchadiens, particulièrement les étudiants, à voir les choses sous d'autres angles. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des opposants, ce sont les idées qui ne convergent pas. Et si les idées ne convergent pas, il y a de l'intérêt pour qu'ils essaient de s'asseoir sur la même table de discussion. C'est d'ailleurs la raison d'être de l'opposition, que l'opposition fasse la proposition au président en exercice. Il faut absolument que les deux essaient de s'asseoir ensemble, dont leur rencontre va accoucher peut-être une bonne chose. Il n'est pas l'ennemi du maréchal du Tchad, il est juste son opposant. Et donc il n'y a aucun mal de visiter le palais rose, discuter autour des choses. Un opposant peut rencontrer un président de la République, ça ne pose pas de problème. Mais beaucoup pensent que quand un opposant rencontre le président de la République, l'opposant perd de crédibilité parce qu'il aurait pris de l'argent. À mon avis, ce n'est pas ça. Un opposant
il peut alors collaborer avec le président de la République pour la bonne marche du pays. Après tout, ils sont des opposants, ils ne sont pas des ennemis. Ils peuvent se rencontrer et parler. Se dire des choses pour un bon changement. Peut-être que Masra a quelque chose à proposer à Déby, ou soit Déby a quelque chose à proposer à Masra pour un bon changement, on ne sait jamais. Donc ils peuvent se rencontrer, s'asseoir ensemble pour parler. Ils ne sont pas quand même des ennemis, je ne vois pas le mal dans tout ça. C'est de conclure que c'est par le dialogue et dans la stabilité qu'on peut construire ce pays. Car la violence n'a fait que détruire ce beau pays et coûter la vie à tant de personnes. Redynamiser l'administration douanière afin de sécuriser les recettes pour renforcer les trésors publics affectés par les effets pervers de la maladie à coronavirus. Telle est la volonté de la Direction générale des douanes du Tchad, une volonté qui se matérialise par cette mission dans les différentes circonscriptions douanières, frontalières, notamment à la frontière tchado-nigérienne, la frontière tchado-libyenne et à la frontière tchado-soudanaise. Cette mission a permis au directeur général de constater quelques manquements dans l'établissement du certificat de visite, des dérives dans la tarification des marchandises qui ont amené certains opérateurs économiques à abandonner leurs marchandises tout entières. Soyez conscients, vous êtes tous en mission, une mission de l'État. Vous êtes à la frontière, tout doit être filtré à partir d'ici, l'entrée comme sortie. Et les valeurs doivent être déterminées conformément au code et aux tarifs douaniers. Au niveau du lac Tchad, le chef des douanes a salué les efforts des responsables et des cadres qui ont abattu un travail sans précédent. C'était sa première fois, la circonscription du lac dépasse les 1 milliard. Donc ça, c'est des résultats à saluer. Il faut toujours veiller, être vigilant. La douane n'est pas seulement un agent juste et économique. Il a aussi le volet sécuritaire. Il est le premier agent de renseignement partout dans le monde. Ce n'est pas seulement au Tchad. Pour sécuriser les recettes douanières dans les villes non bancarisées, le directeur des douanes a introduit le système de paiement par la monnaie électronique via Airtel Money pour amener les administrateurs et agents des douanes pour travailler conformément au code de conduite douanier. Le directeur général a remis de nouveaux documents aux chefs de circonscription et chefs de bureau. Au Cameroun, cette semaine, il était aussi question de moratoire sur le remboursement de la dette camerounaise. Un accord a été signé dans ce sens à Yaoundé entre le Japon et le Cameroun. On retrouve sur place Chimène Baléba, Francis Fogan. C'est dans le but d'alléger le choc économique dû au coronavirus que le Cameroun bénéficie d'un moratoire de remboursement de sa dette à hauteur de 91 millions de yens, équivaut à 455 millions de francs CFA. Tokyo concrétise cette suspension par le biais d'un accord signé à Yaoundé entre le ministre des Finances, lui Paul Motazé, et Osawa Tutsumu, ambassadeur du Japon au Cameroun. Cette suspension de service de la dette entre le Japon et le Cameroun dans le cadre d'initiative du G20. Nous allons continuer de soutenir les efforts du gouvernement du Cameroun pour aborder les problèmes causés par la pandémie de COVID-19. Là, nous avons de presque 460 millions qui vont être épargnés et qui vont donc être affectés à notre stratégie de lutte contre le coronavirus. En revanche, l'on note une belle stabilité de la croissance malgré les répercussions de la pandémie, notamment sur le secteur privé. Selon un classement de l'agence de notation américaine Moody's publié en 2019, après le Rwanda, le Cameroun serait le deuxième pays capable de mieux résister à une crise économique en Afrique subsaharienne. Les perspectives économiques du Cameroun vont en s'améliorant. Pour l'illustrer, la croissance du PIB est projetée à 3,1% cette année, après avoir atteint des niveaux négatifs en 2000. Et le budget de l'État est à nouveau sur une trajectoire vers l'équilibre. Cette suspension vient signifier l'étroite relation entre la République du Cameroun et l'Empire du Japon. L'Agence de coopération internationale entre les deux pays
totalise depuis 2009 6 conventions de prêt. Ces accords reposent essentiellement sur des projets de construction des infrastructures routières, à l'instar du corridor Yaoundé-Brazzaville 2. On reviendra au Cameroun à la fin de ce journal des correspondants, mais d'abord escale au Burkina Faso pour évoquer l'impact désastreux du Covid sur le FESPACO. Cette année, l'un des plus grands festivals de cinéma africain n'a pas pu se tenir. Conséquence, un manque à gagner pour l'économie du Burkina. Edem Aribla. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision du Ouagadougou FESPACO, prévue du 27 février au 6 mars, est reportée à une date ultérieure par le gouvernement du Burkina Faso en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, une situation qui inquiète les hôteliers burkinabés sur le manque à gagner. Ultérieure, nous ne savons pas à quel moment, vu que cette pandémie ne recule pas, elle ne fait qu'avancer. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'amertume que nous avons accueilli cette mauvaise nouvelle. Le manque à gagner, il est avant tout d'ordre financier. Et étant entendu que nous avions même reçu des réservations de chambres et où nous devions accueillir environ une cinquantaine de personnes pour environ 2 semaines. Donc, tout de suite, quand on fait un petit calcul, ça fait un bon package, ça fait un bon chiffre d'affaires pour la boîte. Mais il faut se dire que le manque à gagner est très énorme. Organisé tous les 2 ans, le FESPACO attire des milliers de festivaliers venant du monde entier pour célébrer le cinéma africain. Aux yeux des responsables d'hôtels à Ouagadougou, l'annulation du festival piétine sur l'économie. Compte tenu de la situation des hôtels ces derniers temps, presque tous les hôteliers quand même se disaient qu'avec le FESPACO qui arrivait, on allait arriver quand même à vendre mieux que les mois précédents. C'est avec un pincement au cœur que nous avons accueilli cette information, nous disant qu'en fait le FESPACO a été reporté à une date ultérieure. Pour un festival qui se dit panafricain, quand même qu'on puisse quand même trouver les moyens nécessaires et ne pas trop dépendre de l'extérieur. Et je pense que ce panafricanisme vient d'abord de ça, qu'on nous puissions organiser nos propres événements et ne pas trop dépendre de l'extérieur. Après la 26e édition réussie en 2019, au regard de la crise sanitaire liée à la pandémie cette année, la Biennale du cinéma africain est reportée à une date ultérieure. Ouagadougou est la capitale du cinéma africain. Cependant, le 7e art a du mal à décoller au pays des hommes intègres. Notre tour des correspondants s'achève au Cameroun avec la visite d'une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, plus précisément la fabrication et la commercialisation des drones solaires. Reportage, Chimène Baléba, Hervé Ndoumen. Il s'inscrit comme l'un des principaux fournisseurs de drones en Afrique centrale. Ici, les utilisateurs ont l'embarras entre divers modèles, Tagusnap pour la prise de vue aérienne, Akevaker pour le transport des équipements et la dernière sortie, SR21 pour la surveillance, dotée également d'un logiciel de reconnaissance faciale. Nous travaillons pour augmenter ce temps de vol en y associant les énergies renouvelables, c'est-à-dire plus de 10 heures de vol. Contrairement aux 30 minutes, aux 45 minutes qui existent sur les drones actuels qu'on trouve un peu partout sur le marché. Lorsqu'une personne traverse par exemple un carrefour et qu'il y a un caméra à proximité, l'OSS se charge de capturer juste l'image et de faire la reconnaissance faciale en fonction des spécificités qui sont dans la solution. Ici, c'est l'univers des drones. L'entreprise est dirigée par Borel Tagia, jeune ingénieur diplômé de l'École supérieure polytechnique de Maroua, âgé de 26 ans. Créée en 2019, l'industrie en pleine croissance est déjà dotée d'un service informatique et une cellule électronique pour la fabrication artisanale des drones. On se charge de faire la maintenance, de faire les conceptions, le montage. Il y a certains de nos matériaux qu'on fabrique nous-mêmes ici. C'est-à-dire qu'on les synthétise nous-mêmes, il y a d'autres qu'on ne peut pas fabriquer ici. Nous sommes obligés de faire appel à certains partenaires. Cette entreprise offre également divers services aux clients, dont la réalisation des vidéogrammes, et compte encore explorer divers autres domaines. Objectif, sensibiliser les Camerounais et les Africains sur les multiples opportunités qu'offre ce vaste marché.
Un drone qui a la capacité de pouvoir transporter des équipements, on peut l'utiliser pour expédier des médicaments, des vaccins dans des zones difficilement accessibles. Si vous voyez actuellement, ça se fait déjà au Rwanda. Le drone est équipé de capteurs. Donc ça veut dire à chaque fois qu'il survole l'espace agricole, il permet de prendre des données. Des données qui peuvent être valorisées pour dire avec précision si notre espace agricole, donc si nos plantes grandissent bien. Avec une dizaine d'employés, les revenus de Borel Taghia sont estimés à environ 70 millions de francs CFA par an. Il ambitionne également conquérir tout le continent, a priori l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin et la Côte d'Ivoire. Selon un nouveau rapport de Grandview Research, le marché du drone pourrait rapporter plus de 84 milliards de francs CFA sur le plan mondial d'ici 2025. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants, entièrement préparé, monté par nos correspondants en Afrique. C'est grâce à eux et grâce à d'autres hommes et femmes de l'ombre que chaque semaine, ce journal est rendu possible. Un remerciement spécial à Lucie Bellet qui était au départ de cette aventure. Merci Lucie, bon vent à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment sur Télésud. À la semaine prochaine.